C'est quoi ? C'est quoi ? Bah, c'est quoi ? 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 Donc les anticorps, ce sont des molécules qui sont en fait produites dans votre organisme par un type de cellule qu'on appelle le lymphocyte B et qui reconnaissent de façon tout à fait spécifique une molécule qu'on va appeler du non-soi, un pathogène, une cellule cancéreuse, une bactérie. Et cette reconnaissance, ça c'est la spécificité, va s'accompagner de l'activation de mécanismes de destruction de cette cible. Si demain vous rencontrez n'importe quel pathogène, vous avez dans votre organisme des anticorps capables de le reconnaître. La deuxième chose, c'est que quand vous rencontrez ce pathogène-là, vous voulez produire plein d'anticorps contre celui-là, pas contre un autre. Et donc il y a des mécanismes qu'on appelle la sélection qui vont assurer la production en très grande quantité de cet anticorps dont vous avez besoin là maintenant. La troisième chose, c'est que vous avez une mémoire. C'est-à-dire que si vous avez déjà vu ce pathogène, vous avez dans votre organisme des lymphocytes B mémoire qui circulent et qui, lorsque vous le rencontrez de nouveau, vont en produire de très grandes quantités. C'est le principe de la vaccination. Chaque année, on vous vaccine contre la grippe pour que vous ayez cette mémoire activée.